Et salut à tous les amis, c'est Mofu et aujourd'hui, nouvelle petite vidéo dans laquelle je vais présenter le nouveau skin sur Fortnite Battle Royale et noté sur 10. D'ailleurs, vous pouvez aussi commenter directement dans les commentaires pour mettre une note sur 10. Donc je compte sur vous et aussi je compte sur vous les amis pour vous abonner en masse, bientôt les 5000 abonnés. Donc franchement, merci à tous ceux voilà qui participeront, c'est gratuit. En plus, on est en confinement. Donc voilà, si vous voulez voir aussi d'autres vidéos, n'hésitez surtout pas à mettre la petite clochette. Mais vraiment vous abonner, ça fait tellement plaisir. De plus en plus d'abonnés de jour en jour. Et ça, je vous en remercie beaucoup à tous. Et bientôt, du contenu inédit va sortir sur ma chaîne YouTube. Et sur une nouvelle chaîne qui sera dédiée au paranormal, au urbex et tout ça. Bien sûr, cette chaîne-là sera no fake. Donc ça sera une chaîne YouTube vraiment pour montrer les vraies choses qui se passent. Car petit à petit, je pense que pas mal de monde se demande ce qu'il y a après la mort. Mais tout ça, je vous dirai dans une prochaine vidéo où je vous montrerai tout ça. Donc aujourd'hui, on a là un nouveau skin inédit sur Fortnite. Regardez, franchement, il est trop stylé. Il s'appelle Pépite. Franchement, là, c'est un skin, c'est une pépite. Parce que franchement, il est vraiment trop stylé. Donc comme pour le voir, en premier lieu, il a une petite cagoule. Donc c'est une femme. Par contre, ils l'ont pas fait en masculin. Et ça, c'est assez rare. D'habitude, ils font des skins comme ça. C'est plutôt masculin et pas féminin. Mais là, attendez, je vais juste faire ça. Hop. Ok, donc ça c'est bon. Donc là, il est là. Donc franchement, il est assez stylé. Il est assez badass. Là, il me fait penser un peu le skin, un peu, je sais pas si vous connaissez la cagoule. Là, une petite cagoule comme ça, avec ses gros yeux verts, là, avec sa grosse bouche, là. Franchement, assez stylé. Avec sa genre de gros manteau, là, velours, là. Un truc hyper riche, avec un peu de l'or au niveau dedans. Bon, là, c'est un peu le truc, là, comme s'il était en prison. Les petits billets qui dépassent de la poche. Donc ça, c'est plutôt bueno, c'est vraiment stylé. La petite sacoche que j'ai, mais que j'ai pas les billets, mais qui est assez stylé aussi. Avec le petit logo dollar, franchement c'est hyper beau. Avec les petits gants, pareil, en or, assez stylé. On voit ses petits doigts, voilà. Le petit pantalon par contre, il est bien, mais je le trouve pas vraiment hyper ouf quoi. On dirait plutôt qu'on y a chatouillé la minette et puis qu'elle a mouillé quoi. Mais voilà, après les petites bottes, d'ailleurs qui est assez stylé, avec de l'or. Franchement, voilà, si j'ai une petite note à mettre sur 10, j'y mettrais du 8,5 sur 10. Et si on compte avec le sac à dos, franchement là on tape sur du 9 sur 10. Parce que franchement le sac à dos c'est l'un des plus beaux que j'ai vu et qui est vraiment super beau. Donc là on a le petit sac à dos avec les petits billets qui dépassent comme ça. D'ailleurs quand vous bougez, regardez les billets, ils bougent. Là on a la petite grenade en or et le fusil à pompe qui est vraiment super beau. Avec le petit point américain comme ça. Franchement trop beau. Franchement je me mets même du 9 sur 10. Pour les deux rassemblés. Et en plus, voilà, 1200 B-Bucks, c'est vraiment donné. C'est vraiment pas cher. Et je pense qu'à l'avenir, vous pourrez même peut-être changer la cagoule, soit mettre la mettre ou soit pas la mettre. Mais ça, je pense que ça sera dans les prochaines mises à jour. Parce qu'en général, ils aiment bien faire ça. Donc voilà, dites-moi en commentaire si vous allez l'acheter. Donc pour 1200 V-Bucks. D'ailleurs, si vous l'achetez, n'oubliez pas avec le code créateur. Hein. Voilà, c'est magique. C'est le remède contre le coro machin. Je pense que vous savez. On va pas le dire, on va se faire démonétiser. Donc voilà, dites-moi en commentaire combien vous mettrez sur 10. Je vous invite aussi à aller voir la deuxième vidéo qui sortira où je vous présente la petite pioche. Pareil, qui est super belle. Et on a aussi le retour du petit skin Joker de la saison 5 avec son petit sac à dos, genre de petite menotte pour 2000 V-Bucks. Pareil, on a plusieurs aperçus. Donc ça, c'est le premier aperçu. Donc ça, je crois que c'est le carré. Ça, c'est le cœur. Ah non, ça, c'est le pic. Ça, c'est le cœur. Et ça, c'est le trèfle. Je crois que c'est ça. Dites-moi en commentaire si je dis pas de la merde. Mais franchement, assez stylé aussi. Voilà, pour 2000 V-Bucks. Franchement, je préfère l'autoskin, le nouveau, que celui-là, par exemple. On a aussi le petit planeur qui refait son retour, le coffre-fort. Donc voilà, pour 800 V-Bucks de la saison 5. Bon, il n'est pas hyper ouf. Et on a un petit revêtement d'armes qui est assez stylé. Et en plus, vous avez pour tous les goûts. Donc là, le pic, le trèfle, le cœur et le pic. Ouais, le pic, carré, trèfle, cœur, bref. Vous m'avez compris. Donc là, par exemple, on va prendre celui-là. Donc là, on peut le tester directement sur les différentes armes. Franchement, il est trop beau. J'aime bien celui-là. On a aussi lui, donc ça c'est le trèfle. Je le retiens parce qu'en général le trèfle c'est le truc du porte-bonheur. Donc voilà quoi. Là c'est le cœur qui est vraiment badass aussi. Super beau, j'aime bien. Et pour finir, on a le pic. Je crois que c'est le pic. Dites-moi en commentaire. Qui est assez stylé. Donc tout ça pour 600 V-Bucks. Vous avez 4 vêtements d'armes. Donc ça c'est plutôt bueno de leur part.
Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne YouTube, comme je vous ai dit. Bientôt de vidéos vous arriveront sur la chaîne YouTube assez sabbatique, assez badass. Donc voilà, je vous dis ciao, portez-vous bien. Et n'hésitez surtout pas à aller voir directement en mode zombie pour ceux qui l'ont, pour voir si une petite mission à V-Bucks, pour voilà, pour vous décompter un peu de V-Bucks pour votre skin que vous achetez ou pas. Bon, moi j'ai les V-Bucks, mais je l'achète. Franchement, je sais pas. Voilà, je sais pas. Dites-moi en commentaire si je l'achète ou pas. Et ça sera d'où le titre de la vidéo. Allez, ciao ciao les gars.